N'est-ce pas Kate Middleton qui veut? Ce mardi 28 février, la femme du prince William a réalisé une séance de vélo d'appartement dans un centre de fitness à Port Talbot, au pays de Galles. La maman de la princesse Charlotte a d'ailleurs décroché un joli record. Ce n'est un secret pour personne, Kate Middleton est mordue de sport. Elle a beau être maman de trois enfants, la princesse de Galles ne perd jamais une occasion de faire du sport. La preuve, la jeune femme est à la tête de plusieurs projets associatifs. Marraine de l'association Sportside, qui assure un soutien financier aux espoirs britanniques du sport, l'épouse du prince William a donc prouvé à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas peur de mouiller le maillot. Il y a quelques années, la belle-sœur de Meghan Markle s'était amusée à sauter et bouger lors des jeux de Commonwealth en talons aiguilles. La mère de famille possède une routine de sport très stricte pour garder la ligne. Elle est d'ailleurs membre du Harbour Club de Chelsea, comme l'était sa belle-mère, Lady Diana. Selon le Daily Mail, la duchesse serait également une adepte du crossfit et du gainage qu'elle pratiquerait tous les jours afin de travailler sa tonicité. Une source proche de la famille royale aurait confié au tabloïd britannique qu'elle finirait minutieusement chacune de ses séances par du yoga. Kate Middleton adepte du vélo d'appartement. Outre le yoga, Kate Middleton est aussi fan de tennis. Chaque année, la femme du prince William est accompagnée de son mari dans les tribunes de Wimbledon. Mais alors, saviez-vous que la maman de la petite Charlotte était également une adepte du vélo d'appartement? Ce mardi 28 février, la princesse était en visite au pays de Galles. Accompagnée de son époux, la jeune femme en a profité pour s'adonner à une séance de vélo d'appartement dans un centre de fitness à Port Talbot. Sur les réseaux sociaux, la journaliste Rebecca English a donc filmé Kate Middleton à l'œuvre. Et même si la belle-sœur du prince Harry était vêtue d'une robe et de talons, cela ne l'a pas empêchée de réaliser un joli record, puisqu'au bout de 45 secondes de pédalage intense, la maman de Louis et George a été la plus rapide de tous, y compris le prince William. Elle s'est vue remettre le premier prix du Tour de l'Avenir. Il n'y a pas à dire, lorsqu'il s'agit d'endurance, impossible pour Kate de lever le pied.